Vendredi 7 septembre 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carbone capable pour la dernière sortie téléjournal pour semaine si là. Mais principal point cap, on fait ça. Salutations spéciales à tous les amis qui branchent Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans la dernière sortie journal mi-temps journée pour semaine ça. Qui j'en condition temps hier pour jeudi vendredi 7 septembre, c'est Kounia avec collaborateur nous, Wilner Polidor. Wilner, bonsoir. Moins content moi ensemble avec vous pour prévision météorologique là. On a vu comment la situation est sous Caraïbes avec sous l'océan Atlantique là. Nous toujours gain connouan qui en altitude qui influence ces conditions météorologiques là et gain possibilité pour gain en surface qui venir augmenter humidité sous pays d'Haïti et dans ce sens ça n'a gain un temps qui humide encore aujourd'hui à sous pays là mais aussi au cours de week-end là temps très humide et nous attendons nous avec quelques activités la pluie et faut que nous rappeler Jean Noël soit Atlantique là gain possibilité pour gagner quelques formations cycloniques mais yo pas concerné pays d'Haïti en ce sens ça captant nous c'est quelques activités la pluie isolées et parfois localement orageuses sous certains départements et Jean Noël là région nord Saint-Artibonite avec région sud là a toujours concerné par activité la pluie pour jeudi à non seulement aussi demain mais aussi pour dimanche pour capitale avec zone qui environnée son capitale qui a en bas instabilité par rapport toujours avec masse d'air là qui humide et instable et n'a pas tant nous avec quelques activités la pluie encore pour jeudi à pour demain et après demain sous capitale là avec zone qui environne l'eau. C'est pour cela pour zone qui commence à saturer au Jean Noël sous 4 de saturation, il faut prendre pile précaution parce que la pluie a continué à tomber pendant le week-end sous capitale là avec zone qui environne l'eau. Nous avons une température aujourd'hui qui a monté jusqu'à 36 degrés Celsius et puis la descente c'est 24 degrés Celsius au cours de nuit pour jeudi. Pour la mer, c'est une mer qui agite à faute sous non seulement côte nord pays d'Haïti mais aussi sous côte sud. Nous m'a décapté en pile précaution par rapport avec l'activité de la pluie. Favorité vigilant et fort pas entrer dans la mer parce que au large, la mer a agité à faute et pour golfe de la Gonave, pas de trop soucis sauf que l'activité de la pluie est capable de réduire visibilité. À sous zone ça et pour page astronomique là soit la couché jeudi à 6h58 minutes et la levé de matin à 6h36 minutes. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé lundi pour l'autre page météo. Bon week-end à chacun de vous. Merci Wilner et bon week-end à vous-même tout. N'actualité à président République là Jovenel Moïse chita parlé mercredi 5 septembre passé à membre cour supérieur des comptes à contentieux administratif yo d'après ça écrit sous compte Twitter rencontre ça été occasion pour chef l'État réitérer engagement pour accompagner institution qui placé pour ça yo pour lumière capable faire sous dossier Petro Caribéa. L'autre nouvelle, Premier ministre nommé à Jean-Henri Séan déposé jeudi 6 septembre dans le Sénat, copie arrêté qui nommé liste membre cabinet ministériel là, accompagné dossier tout membre gouvernement. Vice-président Sénat Pierre-François Sildor dit, commission cap analyser pièce membre gouvernement, a travaillé pour vérifier tout dossier. L'impossible dans le week-end là pour Premier ministre nommé à Jean-Henri Séan aller dans le Sénat pour énoncer politique générale. Yon extrait dans micro Fednia confident avec Moïse Ulbricht. Ce matin vers 11h seulement que représentant Premier ministre a porté toute pièce et ministre. Yo. Malheureusement, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de communauté de copie. C'est qu'on y a fait. Mais les membres de la commission travaillent au niveau institution pour authentifier un ensemble de pièces et membres du gouvernement que le Premier ministre a là. Parce que nous avons essayé de multiplier et ce commission, nous mettons l'autre membre avec membre ce commission pour nous travailler un peu plus, notamment au niveau de 4 institutions que nous jugeons importantes. La Cour supérieure des comptes, du contentieux administratif, la Direction générale des impôts, les archives nationales et puis l'immigration. L'État vous va monter des salariés, pas de possibilité pour demain. Papa, week-end même balade. Non, nous pensons que le week-end n'a pas essayé pour nous faire pendant le week-end.
pas qu'à dire demain, mais on avait essayé de voir si nous avons fait pour un premier ministre pendant le week-end, parce que nous avons énoncé la politique générale, là, nous avons copié déjà. Qui sont les énoncés politiques là? Brièvement, tous ensemble secteur. Par exemple, c'est moi qui parle sur le dossier corruption, que je peux continuer de travailler sur lui-même. Il touche le dossier économie et tout. Il pense que toute croissance, ça m'a dit un petit peu faible, il peut travailler sur lui-même. Il touche le dossier santé, il touche le dossier industrie, il touche le dossier électricité. Ensemble de secteurs maintenant qui fait partie des 7 priorités du président Jovenel, il y a là-dedans. Mais ça, nous pas, ouais, tout simplement, là, c'est que il n'est pas chiffré. Et non, c'est pour dire général, il n'est pas chiffré parce que il n'est pas grand budget lui-même que lui fait directement. C'est ça que fait me penser, lui dit. C'est à partir de budget qu'il a chiffré un ensemble d'actions pour le traduire de façon concrète. La vision politique. Nous-mêmes, nous disons l'article 157 Constitution, dit pour être Premier ministre, mais ça le dit. Mais l'article 72-1 dit pour être ministre, il faut. Même si il y a un contrôle qui fait au niveau de l'exécutif sur les pièces des ministres qui forment maintenant le gouvernement, ça n'exclut pas la responsabilité du Sénat de la République et éventuellement de la Chambre des députés pour faire un travail de contrôle. Et c'est ça qu'on a fait, nous. Plusieurs députés qui fait partie du groupe 16 dans la Chambre des députés a fait qu'on est, ils ont pas voté en faveur PM nommé à Jean-Henri Séan pour façon yo dit cabinet ministériel là monté. Si député Sénal Bertrand et Abel Descolines a bay précision toujours dans micro Fédéral confident avec Moïse Ulbrich. Moi-même, je n'ai pas opiné sur le cabinet ministériel, ça ne m'intéresse pas du tout, mais sauf que la réaction du député Sinal va autoriser pour saluer Anab Jouenni dans la séance et pour ratifier le Premier ministre. Un, et groupe 16 sont un groupe lié qui est beaucoup inscrit, comme un bloc politique. Et, mais cependant, on a gagné des positions contradictoires en dedans. Cependant, si je demande qui m'a voté, moi, je dis que le vote est contre lié. Ça me répond pour moi. Mais en dedans, groupe 16 ans, est-ce qu'on a dit qu'il faut que tout le monde vote contre? Mais pour arrêter, pour chaque monde dit qui j'ai pour le voter. Groupe 16 ans pas capable de faire une lecture accablant de un cabinet ministériel. Un cabinet ministériel avec deux monde qui étaient en frein de la loi. Maintenant, plaise à M. Jean-Henri Séan, s'il voulait passer dans l'histoire comme un monde respecté et respectable, pour que d'ici à quelques jours avant cette séance, s'il y a possibilité de remédier, eh ben, c'est à M. Séan lui-même pour le tirer la conclusion. L'autre nouvelle, sénateur Sidesla Diopi Chérubin, qui c'est tout premier secrétaire Sénat, encourager exécutif là, mettre plus l'argent pour collectivité territoriale, pour faciliter magistrat, kazek ak azek yo, joindre moyen pour faire développement local yo. Parlementaire a souhaité dans le prochain projet loi financement, gouvernement doit pencher sous question ça. Sénateur Diopi Chérubin dit, l'a continué à faire plaidoyer ça, pour collectivité yo, joindre l'argent pour exécutif. Yon série projet. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Nous voulons attirer l'attention pour ne pas venir avec elle sans ne pas tenir compte de collectivité. Dans l'année qui passe là, yo di ap mette fond dans le budget pour yo. L'enal gade, nous jouons pas de rien qui inscrit dans le budget pour section communale. Yo. Mes amis, si yon pays li constitué de 10 départements, c'est pour nous garder, pour nous dire, n'a pas divisé sa pays à gagner, même l'organe doit considérer un département par rapport à taille, deux fois l'autre, ou à dire, ou à faire le pas 11, ou bien on prend l'autre qui était trois fois, ou à faire le pas 15, mais faut que nous apprenions à faire division, faut que nous apprenions à faire partage dans le pays ça. Collectivité, yo néglige en pile. Et si vous avez besoin de pays ça a goûté dans sa cap passé, si vous avez besoin de fonds bagaille qui est équitable, vous obligez de penser à la collectivité territoriale. Yo. Je dis, hein, nous prenons courage nous à demain pour nous dire nouveau gouvernement, à bon entendeur, salut. Nous voulons prendre note que vous pas doué vini avec un budget sans yo pas dit combien cob qui n'en budget pour chaque section communale.
dans l'idée pour marquer 10 l'année existence observation pauvreté et exclusion sociale, responsable ministère planification et coopération externe réalisé un atelier travail dans Pétionville jeudi 6 septembre là. Activité ça qui te réunit plusieurs économistes et citoyens qui réfléchi sur situation socio-économique pays a été occasion pour membres observatoire présenter bilan travail. Un reportage avec John Herbie Casseus. Observation pauvreté exclusion sociale, c'est une entité dans le ministère planification et coopération externe qui l'a pour chercher information sur conditions mon ap vivre dans pays a, analyser données et puis transmettre rapport yo by autorité concernée. Pendant 10 années existence, observatoire a déjà produit une soixantaine de rapports. Sur le coordonnateur Pierre Jaurès Mira. Pierre Jaurès Mira expliquait observation pauvreté et exclusion sociale là fait rapport sur ça il constater seulement. Selon lui, travail yo a permettre l'état haïtien gagne des sous conditions socio-économiques population et en façon pour être capable poser bon genre action développement dans zone qui plus nécessité. Directeur général ministère planification et coopération externe Stevenson Jacques Timoléon félicite même UOPESO pour engagement yo. Il encourage yo continuer travail pour permettre l'état haïtien gain donner dans main li pour permettre condition la vie moun yo changer. Activité ça té occasion pour membre UOPESO porter lumière sur une série de travail y a réalisé. Inspection générale police nationale d'Haïti présente jeudi 6 septembre là bilan opération mois d'août là. PNH recevoir 72 plaintes, réaliser 499 enquêtes, recevoir 98 dossiers, l'ouvrir 85 enquêtes, isoler des policiers pour cause de la mort, transférer 55 rapports enquêtes dans direction générale police nationale là. Commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin fait qu'on ait gagné un total 490 dossiers qui traité sorti mois janvier pour bout mois d'août là et puis un total 512 plaintes. Porte-parole adjoint promettre police nationale là à continuer travail comme ça. Moi invite à suivre un reportage avec Jean-Claude Benjamin et puis Stéphanie Charles. Quantité plainte que nous avons recevoir pour mois d'août là au nombre de 72 parmi raisons qui fait nous déposer plainte, il y a c'est pour abus de confiance, il y a c'est pour agression, il y a tout c'est pour mauvais traitement. Gagné également, c'est pour dette, malheureusement. Gagné 2 pour persécution. Gagné 4 pour refus de prendre soin. Gagné 4 pour rétention de documents. Acte d'enquête que l'inspection générale réalisé pour le mois d'août 2018, il y a un nombre de 499. Acte d'enquête, ça a réparti comme ça 126 convocations. 109 auditions, 24 enquêtes de voisinage, 17 invitations, 17 confrontations, 9 médiations, 3 mesures conservatoires, nous avons 2 isolements et nous avons 3 levées de mesures d'isolement. Quantité de dossiers, effectivement, nous recevoir, et au nombre de, nous disons que nous recevoir 72 plaintes, mais autre que 72 plaintes, ça, nous avons 7 saisine d'office. Donc saisine d'office, c'est que c'est un bagage qui a fait, c'est soit que c'est inspection générale qui well, tout saisi de lit, ou bien c'est une autorité qui relaie qui dit mais ça loue nous tout saisi de lit. Tu as tout 11 rapports externes, donc des rapports qui sortent dans les directions départementales ou du moins dans les directions centrales. Enquête qui est ouverte pour moi d'août là, il y a au nombre de 85, tandis que rapport d'enquête signé et expédié au DGPNH, il était au nombre de 55. Et comme nous disons déjà, nous avons gagné 2 mesures d'isolement. Nous avons 7 recommandations de mise en disponibilité, nous avons 23 suspensions. Constatons qu'il y a 29 classements. Donc il y a au total 29 dossiers qui ont été classés parmi les 55 et signés et expédiés au directeur général. Nous avons gagné tout 40 avis au plaignant. Ou tap suivre précision commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin.
L'autre dossier, Institut international pour démocratie et assistance électorale IDEA, présenté jeudi 6 septembre, là, un document qui vient pour titre contribution aux réflexions portant sur l'institutionnalisation du Conseil électoral permanent en Haïti. Directrice IDEA en Haïti, Marie-Laurence Jocelyne Lassègue, expliquait document ça à travers diverses recommandations et propositions liées là-dedans pour permettre réflexion faite sous question Conseil électoral permanent dans le pays. Nous allons suivre dans le micro Louinel Jean-Louis et Michel Joseph. C'est au livret sous Conseil électoral permanent, comment la machine électorale fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, il pral parler de tout ça, il pral faire des recommandations. Recommandations sous question contentieux, recommandations sous question bulletin de vote. Donc, là, nous pralouer préface là, nous pralouer que il absolument pas oublié rien. À quoi ce conseil électoral va devoir s'atteler, qui ça le pral joindre, qui ça le pral faire. Donc, ce livret, c'est cette contribution. Donc, pour le conseil permanent, la mise sur pied pour conseil permanent, mais tout pour améliorer machine non, pour que son machine qui que y a pas remetté en question à chaque fois que gagne élection. Yon l'autre côté, directrice IDEA dans le pays Paraguay, Lourdes Gonzalez, qui a participé dans l'activité, a expliqué façon divers l'autre pays habité gérer dossier élection et formation conseil électoral là. Lourdes Gonzalez fait référence dans sens ça à trois modèles conseil électoral tant coup, conseil qui monté avec seulement monde qui fait partie gouvernement, conseil mixte qui composé avec représentants gouvernement avec l'autre structure indépendant, ensuite conseil qui composé avec seulement professionnels qui sortent dans la société civile. Là. Toujours dans le micro, Louinel Jean-Louis et Michel Joseph. Il y a trois modèles d'organismes électoraux. Il y a le premier modèle qui est l'organisme de gestion électorale gouvernemental, mais ça se passe plutôt en Europe. C'est contrôlé d'une manière centrale par le gouvernement. Deuxième modèle mixte, il y a une structure indépendante du pouvoir exécutif et il y a une autre structure qui dépend du pouvoir exécutif et qui contrôle. Et le troisième modèle qui est le plus intéressant pour notre région, c'est le modèle élection organisée et contrôlée par un organe indépendant. C'est ça qui est le plus intéressant parce que les démocraties modernes fonctionnent bien quand il y a des organismes électoraux indépendants et qui n'ont un rapport hiérarchique ou de tutelle avec le pouvoir exécutif et qui ont, comme Mme Lassègue vient de vous dire tout à l'heure, un budget séparé. Exemple, Burkina, le Costa Rica, l'Estonie, la Géorgie. Mais attention, dans certains pays, surtout dans notre continent, il existe deux organismes indépendants qui s'occupent d'un côté de l'administratif, de gérer les élections, d'organiser les élections, et de l'autre côté, et le contentieux. Et les exemples dans notre région sont la Jamaïque, le Mexique, la République dominicaine, même le Pérou. Et il faut comprendre que la manière dont on gère les élections, ça dépend du contexte. Mais ce que les bonnes pratiques internationales après 50 ans d'études nous montrent, c'est qu'il faut avoir un organisme permanent, un organisme indépendant et un organisme autonome pour assurer le bon déroulement des élections. Après un coup de pause, reste information, c'est pour tout de suite après. Dans la page Kiltirel, l'association Repérage invite tout jeune Kafou vin pote participation dans l'anthologie jeune poète Kafou. Anthologie ça a fait un baptême, yon poésie pour Kafou. Association a te commencé à recevoir texte depuis 27 d'août, y a privé 27 septembre 2018. Repérage c'est une association qui a fait promotion lecti à Kilti dans la commune Kafou depuis yon l'année. Anthologie ça c'est une façon pour encourager jeunes poètes qui dans commune Kafouan utiliser créativité yo pour produire texte qui parlait des communes. Nous invitons suivre un extrait. Repérage c'est une association culturelle qui existait depuis tantôt un an dans la communauté Kafouan là.
nous investissons dans plusieurs bagages qui, par exemple, nous investissons dans la question motivation personnelle, la question promouvoir la lecture, l'écriture. Nous sommes en phase de réception, c'est du 27 août à 27 septembre, donc c'est processus en cours pour nous jouer nos maisons d'édition pour éditer question poésie. Nous avons un poète dans le nous avons Blondie Wallo Gabigno qui est un poète qui est dans le mais nous pensons tout, m'a dit et quelques gros poètes qui sont de Carrefour pour nous constituer cellule ça qui pour choisir question ensemble de textes qui a fait partie de l'anthologie. Ça, je pense que c'est deux facettes qui gagnent dans l'initiative repérage là, côté que un jeune qui a profité de lui pour lui soit faire passer revendications, soit faire disparaître, chercher une visibilité en tant que poète ou qu'à contacter nous dans 33 14 20 85 si vous désirez participer dans l'anthologie jeune poète Carrefour. Dans le sport, n'a pas le football sous plan local, équipe senior pays d'Haïti a battu sélection U21 5-1 hier après-midi dans le parc level de Saint-Marc dans le cadre d'un test match avant rencontre Haïti avec Saint-Martin qui a fait lundi 10 septembre 2018 dans le stade Silvio Cator. À l'étranger, n'a pas le tennis US Open, Serena Williams valide Bieli pour finale compétition ça. Côté li bat Anastasia Sevastora 6-3 6-0. En finale, américaine Serena Williams a affronté haïtiano-japonaise là Naomi Osaka. Et c'est là, amis téléspectateurs, nous mettons un bout dans le journal là pour aujourd'hui. À nous te prend pile plaisir pour informer. Restez branchés TNH pour reste programmation. Bon week-end. Bye bye tout le monde.